Invité sur le plateau du quotidien, ce 14 novembre, Jérémy Nadeau a particulièrement attiré l'attention de Rachida Dati. Cette dernière a été généreuse en compliments en direction du youtubeur. Le plateau du quotidien, sur TMC, ce 14 novembre 2023 a été la scène d'un moment tout ce qu'il y a de plus mignon. En effet, Rachida Dati a été attirée par l'un des invités et elle ne l'a aucunement caché. Il s'agit de la star du YouTube, Jérémy Nadeau. Aussi comédien, la star de 32 ans était venue sur le plateau surtout pour parler de son spectacle Beaucoup Trop. Sauf qu'il n'a pas vraiment eu l'occasion de placer ses mots comme il le désirait. Lors de l'introduction de Jérémy Nadeau, le présentateur Yann Barthès avait résumé son parcours. Comment vous êtes passé d'un BTS à star de YouTube? Avait alors demandé le journaliste. Après une brève réflexion, Jérémy Nadeau avait commencé à se confier sur son parcours. Sauf qu'il a directement été coupé dans son élan quand Rachida Dati a lancé « Il est beau en plus ». Bien entendu, la femme politique parlait du youtubeur de 32 ans. Visiblement choqué par ce compliment, le comédien a juste réussi à expirer fortement avant de répondre « Je suis drôle surtout ». Rachida Dati, entre arabes, ça le fait pas. Cette scène a fait rire tout le plateau. Après que l'euphorie soit redescendue, Jérémy Nadeau a essayé de revenir sur le sujet en répondant sérieusement. Sauf que Rachida Dati le coupe à nouveau. Une nouvelle fois, le comédien a répondu en blaguant, « Vous me laissez parler Madame Dati ?» Pardon, pardon, avait tout simplement répondu Rachida Dati avec un grand sourire. En voyant cette alchimie entre les deux, on entend sur le plateau, et à ce dîne, c'est de la merde? Calmement, Rachida Dati regarde le chroniqueur, à ce dîne Ahmed Chaouch, et répond en montrant toujours Jérémy Nadeau, non, il est pas mal aussi, mais il est pas mal, lui. Une fois de plus, le plateau a eu un fou rire et à Yann Barthès de reprendre en disant, « À ce dîne, tu as été évacué en 2 secondes. » Non, entre arabes, ça le fait pas, avait tout simplement répondu Rachida Dati. Just